Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Melumineux? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnel direction la Corée du Sud avec le retour et le quatrième single du girls group coréen ARTMS. Le single se nomme Hair. Vous le savez, leur album complet sortira officiellement le 31 de ce mois-ci et se nommera Dal. Ils ont déjà sorti des pré-singles, le 1, 2 et 3. Le premier c'était le 29 mars, le deuxième le 11 avril et le troisième le 25 avril. J'essaierai de vous mettre en tout cas les liens de mes réactions à ceci. Pour le moment, ce qui est sorti, mon gros coup de cœur, c'est leur premier single et surtout le MV qui l'illustrait était juste génial. Mais avant de déblatérer un peu plus et d'y réagir, vous connaissez la chanson Habituel, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, les génériques. Alors quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 10 mai et il est à peu près 14h. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué, je vous ai sorti aucune vidéo cette semaine. J'essaierai de faire une nuit blanche cette nuit si j'y arrive pour essayer de monter toutes mes vidéos et de vous les poster. Là j'ai fait le dîner pour mon fils, j'ai préparé sa compote, c'est beaucoup de temps aussi. J'ai eu une semaine de congé, mais semaine de congé j'ai pas vu parce qu'on a profité de faire plein de trucs, reménage de printemps et tout. Je vais encore trier ses vêtements aussi parce qu'il grandit trop vite. Et là je profite qu'il est à la sieste les gars pour vous filmer les vidéos que je veux filmer aujourd'hui. Donc ma météo du jour, je cours partout, je suis crevée, mais on essaie de rester positif et de pas avoir un down, quitte à vouloir me crc, comme il y a deux semaines. Oui, parfois quand j'ai des moments de down, c'est très très fort. En tout cas, je vous espère que vous, votre météo d'aujourd'hui va bien. Il y a vraiment un très très beau soleil. Pour ceux qui sont en congé scolaire, j'espère que vos deux semaines se sont également bien passées. Et pour ceux qui taffent et tout, je vous souhaite quand même une bonne journée également. Hein. Et on va pas oublier, j'espère que votre journée, ça a été. Alors, je n'ai vu aucun vidéo teaser et non plus photo, je ne sais pas s'il y en a eu. Là je pense qu'on va avoir un clip encore un peu basique comme on a eu à leur précédente track. Pour petite information, le deuxième et troisième single, donc c'était Flower, Rhythm et Candy Crush, ont été affinés avec la base des morceaux solo de Haejin et Hansul respectivement. Et apparemment ce morceau et également une base de morceaux solo de ces deux membres. Donc voilà, c'est bien, on recycle des morceaux, c'est pas plus mal j'ai envie de dire. Et maximiser ce truc et un petit peu, enfin oui, je vais arrêter de parler là parce que ça devient ridicule, ça ressemble à rien du tout. Allez, 3, 2, 1, let's go. Un autre morceau peut-être que je vais apprécier. Après les autres m'ont bien plu, hein, quand le coche aussi je vais bien apprécier. Bah écoutez, franchement j'aime beaucoup ce titre, il me plaît. Thank you.
Ah, c'est vraiment une chanson qui est très fraîche, fraîche, très légère. Une bonne chanson pour l'été, je trouve. Même pour le printemps, hein, si vous voulez. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était une sorte d'échantillon de deux chansons, etc. Comme les deux précédents singles. Cette chanson a été créée, en tout cas, échantillonnement avec la chanson titre .A.S. Circle, une autre sous-unité de Luna, on va dire ça comme ça. La chanson Air Force One complétant donc la série de ses pré-versions pré-sorties en vue également de la sortie officielle de leur album complet le 31. Oui, on n'aura pas d'autres singles, donc on devra attendre le 31 pour l'intégralité de l'album. Alors ce titre, franchement, il m'a beaucoup plu. On a quelque chose de très frais, de très léger, pop, mais j'aime beaucoup cette sonorité, ce ting 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 et ce pa 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 pendant le refrain. C'était vraiment très très sympa à l'écoute. T'as envie de t'amuser avec les filles dans cette maison, comme si c'était dans une maison de vacances et qu'ils voulaient pas prendre, enfin pas une prise de tête tout simplement. Non, on a vraiment un bon retour, je trouve, avec. Et comment on dit ARTMS, moi j'ai dit, mais c'est comment en anglais, ARTMS, mais elle ferme là parce que c'est vraiment nul à chier. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vrai qu'en termes de visuel, j'ai beaucoup plus apprécié le premier single qui était beaucoup plus abouti, et je pense que ça doit être peut-être leur titre phare, je ne sais pas, ou peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que le visuel est envoyé du lourd et je m'attendais avec les autres singles le même gabarit. Après, je peux comprendre, peut-être peu de temps, le budget, etc. Mais bon, voilà, c'était assez sympa dans l'ensemble. C'est 4 titres que j'apprécie beaucoup. Et hâte de voir quand l'album va sortir dans son intégralité, si on aura un autre MV pour peut-être leur titre phare. Et aussi voir l'album au complet et qu'est-ce que ça peut donner si on aura encore une fois une palette musicale assez large et très différente. C'est ça qui est bien avec ces 4 sons, c'est parce qu'on va un peu dans toutes les directions et on voit que leur voix va vraiment avec tout style. Et vous mes chers Millimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le retour du groupe, si vous avez apprécié ce 4ème pré-single en vue de leur sortie officielle de leur album le 31, si vous avez apprécié également la simplicité de cet MV qui a accompagne ce nouveau titre. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.